Allez, on enchaîne. Salut tout le monde, c'est Ato. Bienvenue dans cette nouvelle session Final Fantasy VII Remake sur la chaîne. Je crois que ça fait 17 ou 18 fois que je fais la même intro. Je suis sûr qu'à la fin, vous n'en aurez pas marre. Hein, j'en suis convaincu. Si vous voulez, on change. Vous me le dites sur YouTube, y a pas de problème. Je peux faire un effort. Bref, pour les gens qui sont sur le live, on continue du coup le let's play comme je le disais. Et on vient de passer la zone un petit peu train fantôme qui était somme toute assez stylée. Alors ce qui est terrible pour les VOD, et je suis désolé, je vous l'explique quand même, c'est que on fait des sessions qui durent entre 5 et 10 heures d'affilée de live sans pause. Et en gros, quand vous avez les rediffs, vous voyez un épisode qui sort, vous vous dites, voilà, ça sort comme ma petite série Netflix, tout ça. Et chaque épisode aura son intensité. Mais en fait, il y en a qui sont faits comme maintenant, où on vient de lancer le live, je suis au taquet, tout va bien, c'est nickel. Et il y a des fois où c'est le bout de course du live, et où je suis au bout de ma vie. Et généralement, ça se ressent, parce qu'en plus, aussi, je peux être un brin agacé par les choses que j'ai pu lire dans le chat, etc. Oui, c'est le fait de faire des let's play en live. Si vous voulez éviter ça, je vous invite à regarder des let's play faits en offline. Hein. Je parlais de Super Brioche qui fait le jeu également. Il y a aussi Steam qui y joue, j'ai vu, du coup, pour vous conseiller les gens qui font le jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à voir par chez eux si jamais vous êtes un peu saoulé de quand je suis un peu saoulé. Mais en tout cas, voilà, il y a des séquences un peu plus fatiguées, machin. N'hésitez pas à switcher les moments de gameplay si vous voulez voir vraiment les cinématiques et les réactions au moment où il y a de l'histoire et tout ça. Vous pouvez très facilement le faire sur YouTube avec la petite machin. Quand vous mettez la souris dessus, là vous avez la miniature, vous voyez quand c'est plus du combat, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas. Et du coup, là-dessus, eh bien, on va pouvoir continuer, reprendre là où nous en étions. Le cas saoulé, exactement. Oh putain, bravo. Ouba, j'avoue, c'est le... J'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir. Ou alors vous l'achetez, voilà, exactement. Sinon vous faites le jeu de votre côté. Mais évidemment, je pense que si vous regardez le let's play, c'est que vous n'aviez pas l'intention d'acheter le jeu. Ou alors pas des thunes ou pas la console. Enfin bref, voilà, il y a tellement de raisons de suivre tout ça que du coup, voilà, je vais m'adresser aux gens qui voulaient voir ça en let's play. Bien sûr, ça y est. Déjà le chat commence à me trigger. Vous voyez, là déjà, là je. J'ai eu un petit spasme de. Ah. Non, mais arrêtez. Laissez-moi tranquille, merde. Non mais c'est pas possible, hein. En vrai c'est pas possible. Ah, attendez. Des renforts de la Shinra. Bien. Alors après, effectivement, on m'a dit quelque chose. On m'a donné un conseil avisé, streamer à streamer, hein, que je ne dénoncerai pas la personne, mais voilà, de streamer à streamer, on m'a dit, tu sais Will, si vraiment t'en peux plus, si tu galères avec le chat, en fait, fais semblant de lancer un débat qui détourne leur attention et où tu en as, toi, personnellement, pas grand-chose à faire. Et du coup, moi, je vous dirais, mais franchement, après tout ça, finalement, est-ce que la VF, c'était pas si mal, quand même? C'est la sonnerie du train, bien sûr. Et merci à Nayumi, bienvenue. Bon, après, là, évidemment, pour la VF, c'était un peu flag. Mais je trouverai d'autres... je trouverai d'autres arnaques, ne vous inquiétez pas. On va s'en sortir. Allez, hop, je récupère ça. Attends, c'est par là ou pas? Bah, mais pourquoi? Ah non, mais c'est... Mais non, mais... Mais... mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il dit? Attends, il y a une échelle, il y a forcément une échelle, qu'est-ce que... Ah oui, bien sûr. Ah bah non. Ah bah si, non. J'ai jamais voulu, j'ai dit non. Bon, c'est pas grave. Allez, on va le faire. Ah, je vois que ça lance des débats intéressants sur le chat. Est-ce que vous êtes plutôt Team Yuffie ou Team KX6? Ah, dur. Je vais vous avouer que Yuffie a jamais été un personnage que j'ai apprécié quand même. On va pas se mentir. C'est pas mon kiff de ouf. Mais bon. Après, le perso a ses... Ah, ça fonctionne sur l'intérêt, mais c'est vrai que c'est pas du tout un perso que j'aime. Alors que si on lançait le débat Cid ou Vincent Valentine, là, d'un coup, je pense qu'il y aura des gens plus engagés qui pourront s'exprimer. Sûrement, je pouvais le faire tomber. Allez, tiens. Boum.
Ah, je pensais qu'il tomberait avec le vent, vous voyez. Non mais fais quelque Allez, chose. Ensemble. Je m'en occupe. J'arrive. On va essayer de le faire tomber avec ça. Voilà. Et là. Boum. Voilà. J'ai bien transpiré. Non, je pense qu'un vrai gros débat qu'on pourrait éventuellement lancer, ça serait est-ce que finalement le fait que ce jeu ait été exclusif pendant un an sur PS4, est-ce que c'est pas quelque chose qui lui a servi? Ou est-ce qu'au contraire il faut condamner cette pratique? Et là, je pense que je peux jouer tranquille. Allez, on y va. Mais on répondra à la question parce qu'elle est intéressante, en vrai. Merci, Cloud. En route. Yes. Dans quel sens ça lui a servi? Bah parce que Sony a aligné tellement de thunes que ça a permis de soutenir la prod en fait au niveau financier. Et les exclus sont toujours quelque chose qui rapporte en fait et qui servent à financer. Donc il y a une logique si vous voulez. Et après effectivement ça le rend moins accessible. Donc. Un parti pris discutable et discuté. Est-ce que je peux... Non mais ça c'est terrible ça. En termes de ludonarratif c'est terrible. Non. Bah attends, du coup je me suis foiré. Attends, y a pas d'échelle. Y a pas d'échelle. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Bah oui évidemment. Y a toujours pas d'échelle. Là y a une échelle, c'est bon. Je l'ai. Alors ce qui est rigolo c'est que du coup hier j'ai eu l'occasion de retourner un petit peu voir le jeu de base parce que j'étais curieux quand même hein, de retrouver certaines séquences que j'avais fait. Et c'est vrai que c'est rigolo de voir à quel point ils ont quand même bien collé à ce qu'on avait à la base hein. Franchement le matériau de base est respecté de ouf hein, c'est impressionnant. Surtout dans la scène de danse, non blague à part, vraiment ouais, au niveau des séquences et tout, enfin il manque rien en fait concrètement. Donc ouais, assez bluffant. Et cette zone justement, qui était donc effectivement la base de deux écrans, plutôt bien fait quoi. C'est par là, allons-y. Ouais. Qui sont emportés par le vent noir, et ils sont perdus pour toujours dans le cimetière des trains. C'est toi? Tu m'as protégé, non? Ça y est, vous êtes cachés! C'est bon, je peux y aller? Ouais, ça y est, tu peux venir! Ouais, c'est bon! Je t'ai trouvé! T'as fait vite! Je t'ai trouvé!
non, t'es trop fort, toi. Hé, elle est où, Iris? Tu peux venir? Je suis prête. Pouah, je m'attendais tellement pas à ça, la scène était tellement cool. Triste, de ouf, mais vraiment cool. Alors, on va avoir un petit problème de... Ah non, c'est bon, quand même, je peux taper, juste pas sur les côtés, visiblement. Ok, laser hérétique, mais quelle idée. Alors, Eligor, on va te faire un petit coup de compétence analysée, voilà, histoire de voir un peu ce que tu as dans le ventre. Alors, faible à la glace, très bien, c'est devant se nourrir de la peur des humains. Pour devenir plus fort et transforme les amérantes du cimetière des trains en fantômes pour les asservir. Lorsqu'il est dans les airs, lancer des sorts de vent sur lui remplira grandement sa jauge de choc. L'attaquer en sautant l'obligera à redescendre au sol. Très bien. Je vais perdre une arme là ? Attends, mais sérieusement ? On va vraiment perdre une arme? Parce que du coup j'ai pas le vol là d'équiper. Oh les boules. Alors attends, On va tenter un truc. Ah c'est abusé. Parce que ça c'était le genre de truc. Enfin bon, on va dire le respect de l'œuvre originale c'est sympa. Il est vrai. Mais qui parmi vous fait partie de ces gens qui comme moi sont partis dans Final Fantasy VIII à bras-le-corps et ont réalisé seulement à la fin du jeu qu'ils n'avaient pas Zephyr, en fait, comme invoque. Et Eltraine aussi, je crois, je sais plus qui était d'autres. Parce que tu pouvais voler les invoques qui n'étaient qu'à un moment dans le jeu. Et Ondine, voilà, exactement, contre le boss de départ. Et c'était horrible. Et c'était horrible, ça a jamais été une bonne idée. Alors, le truc que peu de monde sait, par contre, c'est qu'en fait, quand t'as raté ces invoques-là, tu peux quand même les récupérer sur les boss dans le château d'Ultimacia. Mais encore faut-il le savoir. Et ça, si t'as pas la soluce, c'est fini. Donc, ouais, du coup, c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer. Et puis, de toute façon, quand tu prends le... Ouais, quand tu la récupères à la toute fin dans le château d'Ultimacia, c'est comme si t'avais jamais eu l'invoque. Donc, c'est quand même pété, quoi. J'étais toujours pas au courant, bah voilà, ouais, Brenny. Mais le truc, c'est que par contre, si jamais tu tues les boss avant le boss final, là par contre, c'est mort de chez mort, tu les auras plus jamais. À moins qu'il y ait une astuce qui m'échappe, mais il me semble que c'était ça. Bon, en tout cas, tout ça pour dire qu'on va devoir équiper une materia de vol, et on va l'équiper sur... Ouais, on va lui virer le soin, parce que de toute façon, elle ne sert pas grand chose pour elle. Donc on va faire... Hop, 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 vol, voilà, c'est bon, c'est fait. Dans le set, j'ai compris les matériaux à la fin du jeu. Ah, c'est vrai? Ouf. Alors, passer cette scène, oui. Je remets le son un petit peu fort. Idem pour les cartes, c'était la misère. Mais les cartes, tu pouvais tout récupérer dans le vaisseau.
Quand t'avais raté des cartes dans... Ah oui, alors important pour FF8, si jamais vous le faites. Quand t'as raté des cartes dans FF8, dans le... Comment il s'appelle ce vaisseau final déjà? Le Zodiac, non? Un truc comme ça, je sais plus. Dans le vaisseau final, t'as des duels que tu peux faire. Et en fait, tu peux récupérer toutes les cartes du jeu aléatoirement. Le Ragnarok, c'est ça. Là-dedans. Et ça marche très très bien. Ok, très bien. Bon, du coup, tout ça pour dire qu'on a une arme à voler et des choses à faire. Et bonjour, canard PC. Que je ne mentionnerai pas, du coup. Alors, hop, 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 hop. Donc, on est d'accord pour le vent quand il vole, sinon la glace. Et malheureusement, du coup, dégâts de feu, c'est débile. Mais bon, c'est pas très grave. Faut que, avec Tifa, je récupère aussi l'objet. Alors, attends, on y arrive. Compétence, oui. Voler, oui. Voilà, petit bâton de frappe, c'est fait. J'espère qu'il n'y en avait pas d'autres comme ça, parce que sinon je vais être dégoûté. Bon, ça va encore, c'est gentil, ils te le disent dans le scan, quoi, mais bon. Je sais pas s'ils te le disaient à l'époque. Combo surpuissant, ouais, vas-y, comme ça au moins. Ah, je me suis fait un peu rouler. En fait, je me demande si je vais faire ça plutôt. Ouais, oh, j'ai pris tellement cher! J'étais si mal que ça, j'avais pas vu. Alors, il me reste deux queues de phoenix par contre, hein, faut que je fasse gaffe, faudrait vraiment que j'en achète avec un. Ok. Alors, on va prendre Aeris par contre, que je vais. Oula. Ah non, mais non, surtout pas. Parce que du coup, je sais qu'elle reste un peu safe. Ah, attends. Alors, je sais que t'es en fragilité et que ça donne très envie de taper, mais on va vraiment plus veiller sur nos persos en mode safe. Alors là, par contre, bonne nouvelle, je peux taper. On est d'accord que faible au vent. Alors, j'ai pas récupéré l'invoque gros chocobo, il paraît que j'aurais pu la choper. Je pense que je pourrais le faire plus tard, mais c'est vrai que du coup j'ai un peu foiré. Alors c'est vrai qu'il y a un truc avec le container là qui donne très envie. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ce container? Il y a un truc à faire, c'est sûr, mais... Ah oui, 700 quand même. Oula, calmons-nous, détends-toi. Je fais tellement pas de dégâts. Je compte sur toi. Je m'en occupe. Alors, attends. Je sais pas quoi lui balancer comme magie. Ah non, mais je suis con, il est faible à la glace. C'est Shiva, c'est tout. Y'a pas d'embrouille. Ah, dommage ça. Je cherchais le vent, mais le vent, c'est quand il vole. Alors, sort, soin, extra soin, Aeris. Je compte sur toi. Je peux le faire. Aeris qui dort encore, du coup. Je juge pas. Ah, immunité, d'accord, très bien. Ah, j'ai la question. C'est donc Aeris, tu vas nous faire Shiva. C'est maintenant. J'avais vraiment hâte de toi. Bien. Aïe. Décidément. Alors, compétence d'invocation. Ok, la même. Faut vraiment que je puisse faire quelque chose. Hein. Les risques d'or, c'est compliqué. Un soin. On est reparti pour le cloud. Voilà. Et donc Aeris qui est là. Tadam. Prière. Voilà, comme ça tout le monde est soigné et tout le monde est content. Aïe. Ou presque. De lui aussi. Prends le dégât, oui. Ouais, Aeris, elle fait vraiment mal dans ce genre de combat. Hein. C'est pas le feu, mais ça fait vraiment le taf. Alors, Tifa, compétence d'invocation. Du coup, encore une fois, frappe céleste. Vas-y, fais-toi plaisir. Dis pas qu'il est esquivé, quand même. C'est pas grave.
Ça va, gros dégâts. Ah, deuxième phase. Donc là, c'est le moment où faire du vent. Oui. Ah, je vais tenter l'air. Donc on imagine qu'il faudra se mettre derrière pour protéger d'une attaque ou un truc comme ça. Miroir. Ah, c'est compliqué. Je peux pas l'atteindre. Et avec des sorts? Non, il va nous les renvoyer. Faut dissiper sa barrière. Alors, dissiper la barrière, y'a pas de problème, sauf que j'ai pas équipé la magie. Est-ce que j'ai... Attends, on est bien d'accord, j'ai pas pris le truc qui va avec ça. C'est con, je l'ai viré. Je vais vérifier quand même, mais... Ah, ça c'est terrible. Ça aurait été bien de pouvoir changer... comment dire. Oula, attention. Calme-toi. Les matérias pendant le combat. Bon, après, évidemment, c'est compliqué, mais c'est vrai que... Là, du coup, tu comprends que tu peux pas être préparé au combat tant que t'as pas vécu le combat, donc finalement, c'est un peu dommage. Ça a marché. Pas ultra pertinent. Ah, ça y est, il a plus barrière. Alors, si je fais juste un petit vent. Ouais, c'est pas le fou. Ça. Yes. GG. Punaise, la strat du boss, elle est cool. Ça fait plaisir. Aïe, je me fais pas ça. T'inquiète pas, je... Ouais, la strat du boss est vraiment cool. Alors, est-ce que je peux faire ça? En fait, l'astuce dans ce jeu, c'est de contrôler un personnage qui va prendre l'aggro et de lancer les compétences des autres. Genre véridique, quoi. Par contre, ça va être fort. Ah, il fait monter la jauge, mais c'est pas non plus un truc de fou. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'avec Tifa, on va claquer un éther pour Cloud. Et avec Iris, on va refaire une petite prière. Voilà. Un petit peu. Après, je peux peut-être aussi claquer des magies pour Tifa. Mince. Alors, est-ce qu'il a encore le miroir? Oui. Ah, il me disait même avec ça. Dommage ça. Ah, petite prière. Bon, le combat va pas être très compliqué là-dessus. Et là, dès que je le fais tomber, je claque la limite break de Cloud et de toute façon, ça va faire monstre dégâts. Ok, alors Cloud, du coup, tu vas nous envoyer l'extra vent. Et... Toi. Ah, t'as rien du tout, du tout, du tout. Je peux tenter ça éventuellement. Je crois que ça marche. Mais... Alors, ce que je peux faire aussi, c'est. Oula, attention. C'est éventuellement tenter le double magie pour Cloud. Avec un peu de chance, ça peut fonctionner. Faut voir quoi. Faut vraiment le faire avant qu'il fasse son... Genre là par exemple, tu fais ça. Et là tu te mets là. Et là tu claques le sort. Bon, je rappelle quand je suis dans cette zone là, en fait je fais double magie. Allez, il marchait donc c'est pas très... Dommage. La même chose en mieux et ce sera bien. Ok. Merci Arco, merci beaucoup, merci Elias également tout à l'heure et Nestor, merci beaucoup.
Allez. Bon, Cloud est quasiment prêt. On va attendre qu'il se pose, mais... Laser oculaire, c'est bon, c'est le moment. Alors, je pense que je suis pas dans le bon... Ah, mais c'est pas vrai. Pour de vrai ? Allez, ça va être bon. Yes. Alors. Essayons d'en finir. Tu t'échapperas pas. Ok, il tombe. C'est pas fini. Continuons comme ça. C'est bon. Je m'en occupe. Allez, c'est fini. Trop tard pour les regrets. Ah, même pas. Putain, je fais peu de dégâts, c'est ouf. Il se renvole ou pas? Non, ça va. Aïe. Est-ce qu'il va venir me chercher ici? Oui. Moi j'aurais bien voulu faire en fait... Ah mais c'est pas lui qui l'a. Qui c'est qu'elle sort de glace? C'est Iris? Ah mince. À toi de jouer. Attention à toi. Oula, attention à toi. Ah non, je l'ai juste mal mis. Frisson garanti. C'est pas grave. J'arrive. Tiens. Hop là, attention. Les combats de boss sont tellement longs. C'est pas très grave, hein, tant mieux, mais... Oula. C'est quoi ça? Attention. BG. Ah, dommage ça. Il faut que je tienne le coup. Ok, ça. Ah. Si je commence à pouvoir le faire tomber, ça va changer les choses déjà. Laisse-moi tranquille. Allez. J'y crois pas. Jeu de merde. Il faut faire quelque chose. Je vais m'en occuper. Bon, pas le fou. Courage, ça va aller. Mais arrêtez! Mais arrêtez! J'ai la tête qui tourne. Ça va toi? Laisse-moi t'as faire. Beau. Attention. C'est pas vrai. Ouf, m'a séché. Ah, alors par contre, ça, ça va être utile. Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse péter sa roue ou lui? Je pense que sa roue sera très bien. Fini, pas fini, fini. Fini. On se trouve, ça peut être les deux en vrai. Ok, ça lui a fait des dégâts lui aussi. Allez, voilà, c'est fait. Encore. Voilà. C'est bon. Courage, on vous rejoint. Toi maintenant, dégage. Ouais. Oui. C'est le garçon. C'est...
très beau. Au revoir. Bon, le combat était très très classe, hein. Clairement, je pense que je l'ai un peu fait durer parce que bah, j'ai voulu faire la safe strat. Donc j'ai pas beaucoup de queue de phoenix, mais par contre, c'était vraiment vraiment cool. On arrive! Est-ce que c'est un nouveau chapitre qui se lance, peut-être ? Antifa! Là où je suis un peu surpris, je vais pas vous mentir, c'est que je m'attendais pas à ce genre de phase. Très bien, donc là on va faire hop. Je peux le faire, je vais te montrer ce que je sais faire. On va jouer avec Iris encore une fois, décidément meilleur perso. Boum. Voilà. Là où eux qui va casser les têtes, clairement. La musique! Et voilà! Tu me tiens plus debout? J'arrive! Oh, écoutez ça! C'est pas fini! Mieux vaut pas rester.
cette fois, je suis pas prêt. Désolé. J'arrive. Utilisons la magie. Je suis choqué. Ça va? Gardons nos distances. Deux secondes. Là. Ah bah non. Je l'aime tellement, putain. Voilà. Cette fois, je suis fâchée. Tiens. Prends ça. Mais ces animes de bâton, ces magies, ces machins, étoiles et parfaites. Mieux vaut pas rester près de moi. Prends ça. Voilà. Et voilà. Tiens. À mon tour. À mon tour, c'est ça. Et boum. Hop. Hit. Pour le bâton, on va regarder après, mais de toute façon, je peux pas m'en servir encore. J'ai pas toutes les compétences. Ça va, Cloud? C'est terrible! La Shinra veut détruire ce pilier! Je suis au courant. Il faut que j'y retourne! Nos amis sont encore là-haut! Arrête ça! Veillez sur Wedge. Moi, je vais en haut. Oui. Moi aussi, j'y vais. Pas question que je reste là sans rien faire. C'est Biggs. C'est lui qui m'a couvert. Wedge, laissons Cloud gérer tout ça. Ça va aller, je le soigne. Biggs! Jesse! Barret! Wedge, écoute-moi. Tu vas obéir à Tifa. Le voilà, notre mercenaire. Je peux au moins faire le ménage avant que notre star n'arrive ici. C'est tellement Charlie Sheen. Il est tellement classe. Et là, alors que tout nous mène à cette tour pour aller aider nos collègues. Alors non, pas dans Hotshot justement, dans un autre film. Mais je sais plus comment il s'appelle ce film. Mais où il y a Charlie Sheen aussi. Et si vous regardez, c'est exactement le même design. Je vous ressors ça pour la prochaine. On va essayer de trouver l'image, vous allez voir.
Toujours est-il que on fait la petite pause. Pour les gens qui sont sur live, du coup, ne quittez pas. Oui, non, je me suis bloqué parce que du coup, j'étais sur le chat. On fait la petite pause là-dessus pour la VOD, donc je vous dis à très bientôt pour la suite de FF7 Remake. Pour les gens qui sont sur le live, ne quittez pas, je reviens dans un instant. La tour, c'est maintenant, à tout de suite.